la mise en perspective de l'exposition de Fromanger avec Louis Ducos-Duron, inventeur de la photographie couleur en trichromie, est particulièrement légitime dans la ville d'Agen, car Ducos-Duron est originaire d'Agen et c'est ici qu'il réalise la première photo couleur au monde en trichromie, celle de la ville d'Agen. Ducos-Duron est un inventeur extrêmement prolifique, car à côté de la photographie, il effectue des recherches dans d'autres domaines. Il est lui aussi un précurseur du cinématographe. Il invente notamment en 1874 le mélanochromoscope, qui est un appareil photo couleur à objectif unique. Et Ducos-Duron, pendant toute sa vie, va effectuer des recherches dans le domaine de l'image, pas seulement de l'image fixe, puisqu'il est effectivement lui aussi un des précurseurs de l'image animée. Et Ducos-Duron finira sa vie à Agen, où il meurt en 1920, et sa tombe se trouve dans le cimetière de la ville. En ce qui concerne l'exposition elle-même, l'œuvre de Fromanger se retrouve ici développée dans l'église des Jacobins, superbe lieu qui permet de développer un bon nombre d'œuvres, de séries de tableaux de Gérard Fromanger, et qui donne en perspective avec Ducos-Duron un regard patrimonial sur ce rapport à la couleur, sur ce rapport à la photographie.